Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le Haut Adour. Je suis dans le petit village de Campan et je vais essayer de faire une boucle qui va me mener aux cabanes, au courtau d'Ordensède et revenir par le Théiette, par les Crêtes. Voilà, aujourd'hui ça va être encore une belle journée, le ciel est tout bleu. Donc c'est parti aujourd'hui pour cette nouvelle rando. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on arrive à une petite bifurcation. Donc pour aller au Théiette, c'est par ici. Vous l'avez marqué ici sur la pierre. Théiette. Et nous, on va se rendre à Ordensède. C'est par là. On va continuer à longer le flanc de la montagne. Après, au bout d'un moment, ça devrait se redresser. Voilà. Ordensède. Allez, continue. En face de nous, on a le lycée de Umblanca, ici. Et là-bas, on a le Soum de Aya. Allez, on continue. Thank you.
le pic du Midi en face de nous ici. Tout par là. Allez, on continue. Voilà, on continue d'avancer. Face à nous, on a ici là, hop, l'Arbison, le Plouden là-haut au fond. En face de nous, on a le Soum des Aya. Évidemment au fond, tout à fait au fond, le pic du milieu Bigorre, le lycée de Umblanc devant nous. En bas on a toute la vallée de Campan. Voilà ces petits quartiers. Le village de Campan est tout à fait au bout là-bas. On ne le voit pas. Et nous on continue à avancer. Pour le moment c'est pas un chemin difficile, ça monte un petit peu, c'est du travers, du plat, c'est pas dur. Mais il va falloir que ça se... à un moment donné que la pente se raidisse, parce qu'on va par là-bas, ici là, pour aller rattraper les cabanes d'Ordensel. Et au retour on devrait passer par ici en haut, normalement. On devrait passer sur les crêtes ici en haut. Allez, on continue. Voilà, devant nous, on a le petit village de Sainte-Marie-de-Campan. Ensuite, on peut voir, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, c'est le soleil. En plein dans l'écran, je vois pas grand chose. On a le sentier là qui monte aux cabanes d'Ampieille, qui sont ici les cabanes d'Ampieille.
J'ai fait une vidéo dessus. Donc on fait toute la forêt là. Et ensuite en faisant la crête, on peut aller jusqu'au sommet des Ayaks et là-bas. Et par là-bas au fond, on va direction Payol. Voilà, on continue à grimper. On peut voir le chemin ici là. Les cabanes doivent être par là derrière. Encore un petit bout à grimper. Belle vue sur la vallée de Grippe devant nous. Ici là, sur la vallée de Grippe. Au fond, ici. Toujours l'Arvison, le Mont Faucon, le Soum de Costoyère juste à côté là, par ici. Ensuite devant nous le plat de la Spen là. Et je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Tout à fait au fond là, c'est le pic du Bastan. Avec à ses pieds toute la vallée lacustre de Campana. Lac de Gréziol, Cadorol, Campana, Arredoun et la Ourquette. Et toujours ici, Soum des Ayaks, pic de Balunk, le pic du Midi de Bigorre, la Montagnette, etc. Et là, tout au fond, le pic du Montaigu. Et en contrebas, encore enneigé, le col de Tosse et le petit sommet de la Peyre. Voilà. Allez, on va continuer à grimper. Allez, continuons à grimper, on ne devrait pas être bien loin. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, voilà, elles sont là. On arrive, elles sont juste dans le creux là, on les voit. Cortau d'Ordensed. Voilà, arrivé au Cortau d'Ordensed. Allez, on va se poser 5 minutes dans une cabane. Tout au fond là-bas, Payol.
Moi c'est Ixa, accouplement de lézard. Voilà, après une petite pause auprès de cette cabane, on va continuer notre chemin. On va aller chercher la cabane de Bagnos qui est par là-bas. Et ensuite, on va faire un bout de crête là-bas pour aller rejoindre le Haboura. Et ensuite, sûrement que soit je vais redescendre et passer par la forêt pour rejoindre le Teillet, ou je sais pas, peut-être je continuerai sur le fil de crête. Je vais voir. Allez. Allez, une dernière petite vue depuis les cabanes d'Ordenseda. Face à nous là, ici là, on peut bien voir la trace laissée par le glacier il y a quelques millions d'années. Puisque il y a quelques millions d'années, tout ça a été recouvert de glace. Et là, on voit bien la trace laissée par ce glacier. Allez, on va continuer. Donc, on va se diriger par là. Petite cabane de Bagnos. Et nous, on va continuer par ici pour aller rejoindre le sommet du Haboura, où je vais casser la croûte sûrement et ensuite redescendre sur le Teillet. Devant nous, on a toute la crête qui mène jusqu'au sommet de Penelise ici. Et tout à fait au fond là-bas, hop, c'est le signal de Bastia qui domine d'un côté la vallée de Payol et de l'autre côté la vallée de Sarag-Colin-Beyreda. Ici, tout à fait au fond, on a la ville de Lannemezan. Et là, je vais me diriger par là. Continue de monter. Ici en bas, hop, on a le Courtau d'Ordenseda où on était tout à l'heure. Et on va continuer par là, à grimper. Allez. Voilà. On arrive au sommet du Haboura.
pour un petit cairn sommital là-bas. Au sommet du Aboura, ici. En face de nous, on a le casque du Iris. Tout à la vue. Allez, on va casser la croûte. Belle vue à 360 depuis ici. Donc tout à fait au fond là, on a le signal de Bastia, le pic de Penolise et je sais plus lequel. Ensuite, ici on a le Plodenlau. Derrière les sommets qui sont dans le du côté de Loudenviel, le Luchon. Ici toujours l'Arbison. Arbison, Montfaucon, Costoyère devant. Ensuite, par là au fond, on a le pic du Bastan avec le col du Bastanais. Le pic du Midi de Bigorre. Le pic du Montaigu ici, ensuite juste devant on peut voir la ville de Bagnères, tout à fait au fond la ville de Tarbes, devant nous le casque du Iris et la ville de Lannemezan ici, et voilà. Allez, on va aller casser la croûte au pied du sapin en bas. Parce que je pense que je vais redescendre par ici pour rejoindre les cabanes du Théiette ensuite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, la pose de casse-croûte est terminée. On redescend. En face de nous, le casque du Iris et sa belle falaise. Et on va redescendre par là, ici. On va descendre ici en bas, on va longer ici le bois pour re-rentrer dans le bois et aller chercher les cabanes du Théiette qui sont là-bas. Le casque du Iris ici, sur notre gauche, et au milieu le col du Iris. Et là on vient de descendre depuis en haut. Même plus haut parce que le Aboura est encore au-dessus. Descente un peu galère parce que le chemin est boueux. La terre reste accrochée aux chaussures et c'est un vrai verglas. On glisse, donc j'ai coupé à travers les pelouses. Et là, on va se diriger par là.
On va longer toute la forêt là ici. Hop, on va longer tout ça. On va rentrer dans la forêt pour ressortir au bout aux cabanes du Théiette. Allez, à tout à l'heure. Là, on est ressorti de la forêt. Et là, on va continuer à descendre direction le Théiette. Qui sont là-bas, en fait. Voilà, là-bas au bout. Un courtaou du Théiette. Donc on va continuer à descendre tranquillement. Allez, continue. Voilà, le courtaou du Théiette. On a ici une cabane. Après, une ici en ruine. Il y en a une autre en ruine un peu plus haut là. Et il y en a une qui est en état aussi, mais qui est cachée là derrière. Voilà. Donc, moi je vais continuer ici. Hop, on va prendre le petit chemin qui est ici là. On va contourner le Théiette. Et on va aller chercher la dernière descente qui va nous ramener sur Campan. Montaigu à droite, le pic du Midi à gauche. Et ici on aperçoit tout juste le casque du Iris qui dépasse ici. La pointe du casque du Iris. Allez, on continue. Allez, nous voici à la dernière grosse descente. Le village de Campan est juste en bas là. Ici on a le village de Baudéan. Et là le départ de la vallée de l'Espona. Ici, le Montaigu en face. Et voilà. Grosse dernière descente, on va passer par là. Hop, on va faire une boucle par ici en bas. Là, et on va repartir par là-bas après. Allez, continue. Allez, la descente se poursuit. On arrive tout là-haut. Là-bas. On est sorti de la forêt là-bas en haut. Et on a fait deux ou trois virages là et on est descendu tout le long. Le village de Campan est là derrière l'arbre là. On l'aperçoit un peu. Il nous reste encore un petit bout de descente à faire. Allez, on poursuit la descente.
Voilà, on approche du petit village de Campan, la fin de la descente. Voilà le petit village de Campan et le véhicule est garé juste là, au petit parking là. Toujours le Montaigu ici, le petit Monet et le grand Monet ici, petit Monet, Monet. En face on a les plaines d'Esquiou. Voilà. Allez, on va continuer à descendre. Je suis pas encore arrivé. Et je vous reprends un peu plus bas. Allez, à tout à l'heure. Voilà, la boucle est pratiquement bouclée. Ce matin, je suis parti par là pour aller chercher le courtaud des d'Ordensède. Et là, on est revenu par ici. Donc reste à faire 300-400 mètres pour aller récupérer le véhicule maintenant sur le parking. La bourre de Campan ici. Allez, je vous reprends au parking. Voilà, c'est sur ces images que va s'achever cette vidéo. J'espère que la balade vous a plu ainsi que les images. Ça a été un petit peu long, je ne sais pas combien de kilomètres j'ai, je dois en avoir 12 ou 13, je pense. En fait, on vient de tout là-haut, là. Ici en haut. Là. On a descendu tout ça. Et au départ, on est parti complètement vers le fond de la vallée de Campan, en direction du courtaud d'Ordensède, au-dessus de Sainte-Marie de Campan. Et donc ensuite, j'ai fait le petit sommet du Aboura. Je suis redescendu vers le col du Hiéris pour revenir au Teillette et du Teillette à Campan. Voilà, une belle boucle, encore une belle journée de printemps. Un petit peu de vent là qui se lève, mais pas grand-chose. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, bye!